de là, je te dis. Reste pas dans ce tunnel. Allons. Je dormais. Reste pas dans ce truc, frérot. C'est pourri. C'est un vrai piège à con. Mais comment ça? Mais parce que je te le dis, crois-moi. Frérot, dors plus jamais là. Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux. Régulièrement, quand c'est l'heure de sortir, on nous enferme à l'intérieur, tous les deux. Tu confirmes? Oui, je confirme. Et il fait noir et on étouffe. Ouais. T'es rendu habitué, toi. Mais en fait, il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Même que ça pue, c'est plus qu'un camembert pourri. Très pourri. Ouais, ça pue comme l'enfer. Et jamais, jamais on peut prendre l'air. Jamais on est laissé aller à l'extérieur. Alors c'est la raison pourquoi, frérot, il ne faut plus jamais y entrer. D'accord. C'est horrible. C'est terrible, ce truc. Ouais, frérot, t'as raison. Et c'est rien. Tu sais ce qu'ils font, plus petits d'entre nous, frérot? Les plus petits d'entre nous sont toujours remis et renlevés par 2-3 humains sur des mini-pieds tout petits. Et ils disparaissent. Ouais. Dans le fond des minivans. Oh. Ouais, frérot. Tu t'es vu? Quoi? Tu vieillis, mec. Tu vieillis. Hein? T'as un trou. Oh. Oh merde. On te voit de l'intérieur. Eh ouais. Quand on vieillit, on se fait défoncer la gueule par vos talons et vos orteils. Coupez-les, foutues griffes! Coupez-les, vos foutues griffes! Si vous voulez nous garder entiers! Tu sais, frérot, comment ça se passe, la vie? Bah ouais, un peu. Non, tu sais pas. Ah non? Non. Tu vois ce trou? Alors, ça signifie que ta vie va bientôt se terminer. Oh! Ouais, aie peur. Pour la naissance des bas, ce n'est pas drôle. On est toujours en jumeaux. Et dès que notre frère meurt, on nous fout dans un sac et on meurt étouffé dans une décharge. Tiens, ça me rappelle un truc, frérot. Un truc? Ouais. Tu sais, pour les bas comme nous, ouais. Il y a pire comme mort. Encore plus pire. Comment ça peut être pire? Je t'explique. À un moment, on se retrouve, je ne sais pas où, secoué dans tous les sens par un ado et jeté au fond d'une poubelle. Oh! Ouais. Oh mon Dieu. On se lève avec du mucus dans le fond de la gorge. Oh! Terrible! Oh mon Dieu. Hé frérot. Quoi? Tu te rappelles de ces trucs? Ouais. Y'en a plus. Frère! Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ils essayent de me laver!
Non, sors de là, vite. Frère. Oh my god. Mon dieu. Frère. Sors de là, sors de là. Ils vont te noyer. Ils essaient de te noyer. Ah ouais, hein. Quelle mésaventure. Vous avez tous déjà entendu parler des minivans, hein? Une fois, je me retrouve, je ne sais pas où, secoué dans tous les sens, par un ado, et jeté au fond d'une poubelle, avec du mucus plein le fond de la tête. Terrible. Alors, on me semble que j'ai entendu crier. Ouais. J'avais pas fermé ça. Les tiroirs sont ouverts. Tiens, devine où on est là. On est sur du lavage, tu crois? Il est temps que tu saches, frérot. Et que tu saches toute la vérité. Que tu t'éveilles. Hein? On est sur un amoncellement de cadavres. Oh! Oh mon dieu! Ouais! Mais non, puisqu'on sort de la séchure. Tais-toi, innocent! C'est la chambre à déshydratation des corps. C'est la chambre à haute déshydratation des corps. On est sur un amoncellement de cadavres. J'entends du bruit. C'est un humain qui arrive. Vite, sauvons-nous, je veux pas qu'il nous remette dans ce truc. Ça pue tellement. Dégageons, allons nous cacher. Et ici? Dans ce pseudo-tiroir. C'est le camp de concentration, frère. On s'évade. Tu confirmes? On dégage. Où on va? Je sais pas, mais on dégage. Loin d'ici. Très loin d'ici. Ok, frérot. Mais c'est vraiment cool, frérot, ici. Ouais. Eh ben, à notre naissance, on est toujours des jumeaux. Oui, on est deux. Et dès que notre frère meurt... Là-dedans. Et je cale ça dans les cheveux. Et je suis pas sûr du poids. Non, ça tient pas pantoute.